Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vous propose, alors peut-être pas de découvrir, ou peut-être de découvrir ou de redécouvrir le Poésis Oracle que j'ai enfin acquéri. Acquis plutôt, non? Hein? Oui, plutôt. J'ai un peu tardé, j'avoue. Et j'ai tellement tardé qu'en fait le jeu est aujourd'hui disponible en version française mass market. Bon, encore une fois, c'était pas l'achat le plus intelligent que j'ai fait. Mais je fais tellement d'approvisionnements par semaine à chaque fois que j'avoue, je prends pas toujours le temps d'aller vérifier, je prends pas toujours le temps de... Voilà. Donc là, je me suis un petit peu fait avoir. En plus, j'en ai commandé quand même une quinzaine d'exemplaires, je crois, ce qui est déjà pas mal. Très sincèrement, en termes d'approvisionnement, c'est rare que je commande 50 jeux d'un coup. Et ben, du coup, je l'ai, j'avoue, je le brade un peu. Je l'ai mis en promo pour le, je l'ai mis en promo pour tout le mois de juillet. Voilà, au moins pour tout le mois de juillet, parce que, parce que voilà, ce serait dommage quand même de pas. De pas essayer de le commercialiser, puisque j'ai vraiment entendu beaucoup, beaucoup de bien de cet oracle, qui vient dans une boîte solide, en deux parties, avec un petit dépliant. Petit dépliant qui explique un petit peu cet oracle de 77 cartes. Hein, donc on est quand même sur un bel objet, hein, un bel oracle. Où il y a vraiment de la matière. Je commence un petit peu à fatiguer. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. 77 cartes, c'est beaucoup. Au niveau du cardstock, on est sur de la très 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 bonne qualité. Alors, je ne connais pas effectivement si je commercialisais du mass market français, ça arrivera peut-être un jour. Ça serait intéressant de faire le comparatif. Là, on est vraiment sur un très 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 beau cardstock, largement 350, largement 350, infini un peu velouté là, se toucher un petit peu pétale de rose ou peau de pêche, je sais jamais. Puis alors, je sais pas faire la différence, mais voilà, on est sur une très 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 belle qualité de carte, vraiment. Avec de belles tranches marron ou top. Voilà. On a un très beau dos. Non, vraiment, on est sur un bel objet. Alors, l'inconvénient, encore une fois, de ce toucher un petit peu velouté, c'est que les cartes ne glissent pas de façon aussi optimale qu'on pourrait l'espérer. Chaque carte vient dans un encadré avec le nom de la carte au bas. J'ai une mouche qui me tourne autour, donc si vous entendez ou si vous voyez la mouche passer, je suis désolé, on a un temps très humide, très orageux, et pourtant ça... Voilà, donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouches et de moucherons sur la côte basque ces dernières semaines. J'ai pas de livret pour expliquer chaque carte. Alors chaque carte, je pense que entre l'illustration et le mot-clé, le nom de la carte, je pense qu'elles peuvent se suffire à elles-mêmes pour laisser libre cours à sa propre intuition, à sa propre interprétation. Ce qui rend aussi, du coup, bah, le fait que ce soit un jeu en anglais pas forcément trop dérangeant. C'est-à-dire que je comprends que un oracle en anglais fasse peur du fait peut-être de la limite d'accessibilité du livret au niveau de la langue. Bon, là, on est sur un mot-clé qui est assez basique, assez classique
quand on a un petit peu l'habitude de... On le reconnaît assez rapidement, le mot-clé. Je veux dire qu'il y a beaucoup de mots-clés assez intuitifs en eux-mêmes. Abondance, patience, etc. Et après, harvest, c'est la récolte, par exemple, l'union. Voilà, pas vraiment de difficulté de ce côté-là. Ce qui est une bonne chose, hein, puisque du coup, ça le rend plus accessible. Maintenant, on est sur, voilà, c'est ce que je disais, c'est que cet exemplaire, ces exemplaires, ce sont les jeux indépendants et auto-édités par la créatrice et non pas la version mass market. Donc, on est forcément sur une gamme de prix plus élevée. La gamme de prix, elle est tournée plutôt autour de 48-50 euros. Je l'ai baissé à 44. J'ai baissé le prix de vente à 44, mis en promotion le mois de juillet, au moins le mois de juillet, à 39. Donc là, j'ai envie de dire c'est cadeau. Bon, non, c'est pas cadeau non plus, mais je pense pas que ce jeu ait été accessible à ce prix-là, quelque part, à aucun moment. Et je ne peux pas non plus le vendre à prix bradé par respect pour la créatrice pendant excessivement longtemps. Donc, je laisse cette opportunité le mois de juillet pour lui donner un petit coup de boost. Mais il retrouvera son prix au minimum de 44 euros assez rapidement au mois d'août, très probablement. Voilà, c'était un petit passage en revue de ce Poésis Oracle que je trouve vraiment très 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 beau. Il a vraiment une énergie, il a vraiment quelque chose. Et ça confirme les échos très positifs que j'en ai eus. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour vous inciter à la consommation. C'est juste mon ressenti personnel. Une belle surprise. Voilà, bah écoutez, je vous abandonne là pour cette vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter ou partager, peu importe, ou les trois, ou aucun des trois. Tout est OK. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.